J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous espère en grande forme et aujourd'hui, on va parler de la prière. Prier, c'est avant tout savoir que on a déjà reçu et que la vraie prière, c'est le sentiment, c'est l'émotion, c'est le ressenti. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, en prière toute la journée. Nous passons du matin au soir notre vie à prier. Pas à prier au sens où on est là à tourner en rond avec son chapelet. Ce n'est pas une prière au sens de la prière chrétienne du Notre Père ou de « Je vous salue Marie ». Ça n'a pas du tout à voir avec ce type de prière. Nous sommes en prière parce que nous nous parlons intérieurement. Nous nous disons des choses à nous-mêmes. Et à travers ces choses que nous disons à nous-mêmes ou que nous croyons de nous-mêmes, nous ressentons des émotions. Et la prière, c'est la jonction de ces deux choses-là, qui est la croyance, c'est-à-dire pas la croyance au terme de « je crois en Dieu » ou « je crois en… » Non, la vérité que je crois sur moi-même, sur le monde, sur les autres, sur Dieu, sur l'univers, sur ce que je suis capable ou non de faire, sur ce que j'ai le droit ou non d'avoir. C'est une croyance de l'ordre de la vérité sur soi. Vous savez, cette petite voix intérieure qui nous parle sans cesse pour nous dire « Ah, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci, t'es pas capable de faire ci, pourquoi j'arrive pas à ça, et je manque de ci, et je manque de ça, et je… » Vous voyez, cette petite voix-là. Et cette petite voix-là, c'est elle qui prie. Et elle inscrit sa prière dans l'univers à chaque fois qu'une émotion vient nourrir cette vérité. L'univers n'a pas de jugement sur le bien et le mal. L'univers n'a pas de jugement sur la vérité. Pour l'univers, tout est vrai. Tout est vrai à partir du moment où cela est ressenti comme étant vrai. Pour voir l'intégralité de la vidéo et recevoir chaque mois des cours, des explications et des contenus exclusifs, vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à bientôt.